notre source digne de foi, nous avons été informés que Baye Modou Fall, alias Boy Guinée, se trouverait en République de Guinée et s'apprêterait à retourner en Gambie. Les mêmes sources ont également révélé qu'il serait dans la localité de Koubia, c'est une localité qui se trouve dans le département de Koundara, dans la région de Boké à Guinée-Conakry, non loin des deux régions de Kédougou et celle de Kolda. Donc, et qu'un certain Pape Ndiaye lui aurait fait parvenir un pneu X6 pour son véhicule de marque BMW X6 sans autre précision à bord duquel il voyagerait. Ça, c'est la première information qu'on a reçue. Donc, au fort de ces renseignements, l'autorité nous a instruit de redoubler de vigilance, comme à l'accoutumée, et de procéder à la fouille systématique des véhicules en provenance de la Guinée. Ces instructions ont été aussitôt transmises aux chefs de poste frontaliers, notamment Kalifourou et Dialadjan, c'est les deux postes frontaliers de la Guinée. C'est ainsi que le 5 juillet 2016, vers 8h50, les éléments en poste à Kalifourou ont procédé à l'interpellation de 3 individus, 2 hommes, 1 dame, en provenance de la Sierra Leone via la Guinée, selon leur déclaration, voyageant à bord du véhicule de la même marque, de couleur noire, immatriculé BJL1731K. Après avoir procédé à leur identification, toujours en relation avec la hiérarchie, une fouille minutieuse des habitacles du véhicule a permis de découvrir, camouflée dans la malle, une plaque d'immatriculation sénégalaise DL5010C qui, après vérification, s'est révélée être celle d'une voiture faisant l'objet d'un avis de recherche par la DIC pour vol. Cette importante découverte a éveillé davantage nos soupçons, notamment sur l'une des personnes qui présentait des traits de ressemblance à Boy Guinée. Isolée et pressée de questions, celle-ci a fini par avouer être en réalité Baye Modou Fall, alias Boy Guinée, voyageant avec un passeport bissau-guinéen qui a fort éveillé nos soupçons, établi au nom de Pape Moussa Thiam. Dès lors que nous avons eu la certitude que cette personne est bien Boy Guinée, nous avons procédé à son arrestation, en même temps que ses deux compagnons, sans aucune résistance. Et naturellement, sur instruction de nos autorités et en relation avec la division des investigations criminelles, qui avait lancé plusieurs avis de recherche et reçu un mandat d'arrêt le concernant, il a été décidé de le mettre à la disposition du commissaire urbain de Tambacounda pour faciliter son transfert à Dakar. A pris fin ainsi la cavale du fugitif, l'homme au palmarès judiciaire florissant qui était activement recherché par toutes les forces de sécurité. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, les éclaircissements que nous voudrions apporter sur la recherche de Baye Modou Fall alias Boy Guinée.